Ma mission, c'est d'aider les entreprises suisses dans la région de Bâle à se transformer, à se digitaliser, à devenir l'entreprise de demain, l'usine de futur. Et j'utilise, quand je parle de coopération transfrontalière, j'ai quatre raisons de faire de la coopération transfrontalière. La première, c'est à plusieurs, on est plus fort. Tout seul à Bâle, sur certains sujets, on n'est pas connu. Mais Bâle, plus Karlsruhe, plus Freiburg, plus Mulhouse, plus Strasbourg, on est visible. Donc, première raison, une visibilité. Deuxième raison, Bâle, comme les villes le long de la frontière, sont limitées dans la zone d'influence, dans la zone sur laquelle naturellement elles vont agir, parce qu'il y a la frontière. C'est-à-dire qu'elles n'ont que 180 degrés de champ d'action. Il faut aller un peu plus loin pour avoir les 360 d'une ville classique française ou d'une région française classique. Point suivant qui est important, c'est qu'il faut des compétences complémentaires. On n'a pas toutes les compétences. J'ai besoin de compétences spécialisées sur Karlsruhe, sur Strasbourg, sur Mulhouse. J'ai besoin de ça. Et la quatrième raison, c'est que sur l'industrie du futur, sur l'industrie 2025 en Suisse, sur l'industrie Fibre en Allemagne, il faut de l'expérience et on a tous les mêmes problèmes. Les usines d'ici ou les usines de Suisse ou les usines d'Allemagne ont les mêmes problèmes. Donc l'intérêt est là, c'est de pouvoir mettre tout cela ensemble et de profiter d'une synergie d'ensemble pour pouvoir faire avancer l'ensemble de notre entreprise.